Le sang de vos mains. Salut à tous, c'est Rocky Balboa. Bah aujourd'hui on va faire une vidéo avec les gants du coup, c'est parti. Aujourd'hui c'est quoi? C'est vidéo type beat. Et oui les amis, comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui c'est type beat pour 6-9. Alors il faut savoir un petit truc, 6-9 c'est mon pote, puis je l'ai beaucoup aidé à sortir de prison. On va éviter d'en parler, parce que je suis quelqu'un de très humble, de très modeste. Puis j'ai quand même quelques muscles qui sont pas mal. Donc 6ix9ine est sorti de prison il y a pas très longtemps, donc il lui faut des prods. Bah ouais, le mec il se faisait chier, faut qu'il rappe, il a trop envie de rapper là. Donc le type de prod qu'on va faire, c'est une prod type... les sons genre... Ah oui, les sons Billy, Kuda, c'est des sons assez agressifs où ils gueulent. Vous voyez le truc, tous les grands classiques de 6ix9ine type Billy, c'est vraiment des prods qui sont hyper agressives, hyper percutantes, avec des instruments qui prennent beaucoup de place. Et c'est surtout des prods qui sont hyper entraînantes, vraiment ça donne trop envie de danser. Oh regarde ça Roger, on a encore un champion là-bas. Hé, pied du cul. Oh, ouais toi, vas-y danse là, tu te crois où? Tu crois en pèlerinage? C'est bien, bon toutou. C'est hallucinant, je danse vraiment trop bien. Donc juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier tout simplement pour toute la force que vous me donnez, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos messages sur Insta. Vraiment c'est super, ça me donne beaucoup de motivation. Et voilà, ça me donne envie de continuer encore et encore et voilà. Je suis un petit peu gêné mais bon. Vous m'en voudrez pas hein, parce que voilà. C'est vrai que ça fait bizarre de dire ça pour la première fois. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Hop, donc on se retrouve sur FL Studio et première chose qu'on va changer, c'est le BPM. C'est bizarre, je me sens pas bien. Oh, putain. Regardez. Voilà. La bêtise humaine. Alors là, je me suis trompé de casque en pleine vidéo. Voilà. Bah Dieu, qu'est-ce que je me sens mieux. Voilà, donc c'est parti les gars. Donc première chose à faire là, c'est changer le BPM. On va se mettre en 90. Donc ça paraît lent comme ça, je vous l'accorde. Mais on va réussir à faire un jeu de drums assez sympa, vous allez voir. Donc là, je vais changer de méthode par rapport aux autres vidéos. Je vais pas faire d'accords, de gamme, tout ça. Mais je vais juste me servir de mon clavier MIDI et voir ce qui me passe par la tête. Je vais essayer de pianoter, voilà. 2-3 mélodies, n'est-ce pas? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite rechercher un synthé. Je crois que j'ai un petit truc là. Ouh, ça m'a l'air pas mal. Hop, on voit tout de suite ce rec. Parfait. Juste là, je vais quantifier tout ça. Ok, c'est pas mal. Je donnerai juste un peu plus d'effet au synthé pour qu'il sonne un peu plus puissant parce que là il est un peu trop soft à mon goût. Je vais juste essayer de faire les accords bas qui vont avec les mélodies mais je l'ai déjà en tête normalement. Normalement c'est ça. On écoute ce que ça donne. Parfait! Ouh, on va faire un truc lourd, je le sens. Hop, je vais tout de suite lui mettre un peu plus d'effet. Hop, je pense que je vais lui mettre un petit RC20 et lui mettre un petit peu de distorsion. Ça m'a l'air bien. Je vais juste enlever la reverb, baisser un petit peu la distorsion. Voilà, on sent tout de suite que ça sonne... Voilà, on sent tout de suite que ça sonne un peu plus puissant et un peu plus de matière. Et je vais lui mettre un petit peu de reverb. Là, je vais vraiment essayer de tapisser la prod en mettant beaucoup de reverb. Pas mal comme ça. Ouais, les drums, là, je les entends déjà. Hein. Hop, je vais juste rendre l'audio. Donc là, j'ai ouvert Nexus pour trouver une brasse. Donc une brasse, c'est un espèce de... Oh, comment expliquer ça? Bah, du coup, je sais pas comment expliquer, donc...
bah vous allez vous démerder pour une fois. Non, en vrai c'est ça une brasse. Hop, hop, hop. Ouais, c'est un truc qui... Ah voilà, putain. Ok, j'ai une idée. Je vais baisser la vélocité de celui-là. Encore un peu plus. Oh là, va pas trop loin. J'adore pour l'instant. J'ai juste rajouté... Merde, je voulais rajouter quoi? Ah oui, du délai. En fait, le délai, ça fait un écho sur la note. Là, j'ai fait en sorte que l'écho apparaisse assez tôt. Par exemple, si je monte ça... Vous voyez, ça apparaît un peu trop tard. Alors que si je le descends comme ça... Voilà. L'écho est un peu plus fréquent. Donc si on écoute tout... Je vais baisser un petit peu le volume de l'écho. Donc là, je vais attaquer les drums. Alors là, pour les claps, je vais mélanger un clap et une snare, je pense. Donc là, voilà, j'ai fait mes claps avec mes snares et j'ai mis un petit contre-clap ici et ici. Voilà, ça donne un peu plus de bounce. Donc je vais attaquer le kick. Je vais rajouter un poil de reverb au clap. Ok, ça me paraît bien comme ça. Maintenant, je vais passer aux hi-hats. Donc pour les hi-hats, je vais faire deux jeux. Donc je vais faire un jeu lent et un jeu rapide. Ce que j'ai fait pour les hi-hats, c'est que j'ai mélangé de la rythmique 1 sur 2 et de la rythmique 1 sur 3. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour qu'au milieu des rythmiques 1 sur 2, il y ait un peu de 1 sur 3 qui viennent s'ajouter. Donc ça va casser un peu, entre guillemets, hein, le rythme de la prod. Donc là, on a du 1 sur 2 et là, on a du 1 sur 3. Je vous fais écouter. Voilà, en fait, là, c'était pour que ça concorde avec la mélodie. Ça fait ton tin 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 tin. Et là, les hi-hats, ils font... Là, je vais jouer un peu avec le panning des hi-hats pour, encore une fois, rendre la prod très bien spatialisée. Voilà, ça me plaît bien ça. Et je vais faire un deuxième pattern de hi-hats, donc je clone, ça va être exactement les mêmes, sauf que là, je vais faire ça. Voilà, donc on est en 90 BPM, mais en fait, on a doublé, on n'a pas fait du 1 sur 2, on a fait du 1 sur 1. Du coup, ça fait comme si on avait mis des hi-hats 1 sur 2 en 60... J'arrive vraiment pas à parler, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc c'est comme si on avait mis des hi-hats... 1 sur 2 à 160 BPM. Du coup, là, ça nous fait un rythme à 160 BPM. Donc là, je vais passer au Open Hats. Oh, c'est une blague! Il met de la musique alors que je fais une vidéo. Alors, bon. Ouais, mais là, non! Et bon. Hop, et je vais en mettre un deuxième pour que ça fasse encore plus agressif. Ok, nickel. Pas mal, j'aime bien, franchement, c'est pas mal, j'aime bien, ouais. C'est assez plaisant à l'oreille. Donc là, on passe aux choses sérieuses, aux 808. Donc les 808, je les veux bien pleines, bien rondes, et qui durent en longueur. Celles-là, je les aime bien parce qu'elles ont un petit aspect distordu, j'aime bien. Voilà, donc là, j'ai fait des 808 à la Tay Keith. Alors déjà, Tay Keith, c'est un producteur américain, voilà. Et on a remarqué que sur ses patterns de 808, il avait une technique assez spéciale. Donc il a comme technique de garder une régularité. Tu vois ? Donc il a comme technique de garder une régularité. Non mais je suis fatigué, j'en peux plus, franchement. Je vais bientôt arrêter, je pense. ASMR. Ta gueule. Donc il a comme technique de garder une régularité au niveau de la tonalité de ses 808 tout au long du pattern. Et à la fin, monter les tonalités. Ça donne du punch. Donc là, typiquement, je les ai montés avant le gros kick. Écoutez.
Voilà, ça donne une bounce assez spéciale. Et là, on va trouver tout simplement une voix qui fait assez... Église, un peu. Voilà. Ok, on a une bonne voix là, pas mal. Hop, là je vais trier, je vais juste garder les notes basses. Ça je vais le garder pour genre faire une intro ou quoi. Putain ! Re tout le monde, donc mon FL Studio a crashé, c'est super. Mais j'ai pu tout récupérer grâce à la technologie du backup. Là, petite technique, imaginons vous perdez votre fichier FL. Oh non, faut tout recommencer ou quoi ? Bah non, faut pas tout recommencer. Vous allez juste là, dans backup, et hop. Vous avez toutes les sauvegardes, pas mal hein. Ça sauvegarde automatiquement toutes les 10 minutes je crois. Donc si je résume, j'ai 4 pistes audio d'instruments et j'ai mes drums. Parmi les pistes audio des instruments, on a... la piste principale, donc l'instrument principal. On a aussi... la voix. On a aussi... l'instrument principal, mais uniquement les notes basses. Et on a... notre brasse. Donc là, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais me diriger nulle part. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire le design pattern, comme d'habitude, et on se retrouve à la fin de la vidéo, et on écoutera la prod ensemble. A tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Du coup, j'ai structuré ma prod. J'ai beaucoup joué avec, du coup, les différents patterns que j'avais créés. J'ai mis mon tag aussi. You're asking me why, you're asking me why. I did it 'cause I was bored. Donc là, j'ai fait un pattern de kick, qui va jouer un rôle de riser, en fait. Un petit peu en mode électro. Voilà, après j'ai mis plein de FX pour drop. Je trouve que mon drop est super violent. Et voilà, je suis assez content de moi. J'ai beaucoup joué avec les drums, alterné 100-808 avec 808. Donc là par exemple, je fais un jeu de hi-hats. Donc là, il y a les hi-hats qui sont irréguliers. Puis ça passe au hi-hats hyper rapide, donc je vous fais écouter ça vite fait. Voilà, ça donne la vitesse et c'est assez intéressant de jouer avec deux patterns de hi-hats comme ça. Donc un exemple de son qui joue beaucoup avec les drums, c'est Highest in the Room de Travis Scott. Au début, on a des drums irréguliers, avec un clap qui est différent de celui d'après, je crois. On a un début de son sans kick, il me semble aussi. Ça s'appelle un faux drop, en fait. Enfin, c'est mon terme à moi, mais pour moi, c'est un faux drop. En fait, ça drop avec des drums qui sont assez faibles, on va dire. Puis après, on est surpris, parce que ça tape encore plus et plus vite. Allez l'écouter et prêtez-y attention, vous verrez que ça change beaucoup. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette prod, parce que voilà, c'est une prod agressive, assez tordue dans la structure. Mais c'est aussi une prod très mélodique et très entraînante. Par exemple, vous mettez Billy de 6ix9ine sur le dance floor. Ça fait... ouh, ça donne envie de danser, quoi. J'ai mis pas mal de temps à faire la structure, mais je pense que ça valait le coup, parce que à la fin, voilà, ça change tout avec les FX, les drops, les transitions. Ça change vraiment toute la prod. Et voilà. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Allez voir ZDC Studio, rejoignez le serveur, c'est super bien, c'est super cool. On aime bien, moi perso j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vous laisse avec la prod, c'était Purpwon, à bientôt. You're asking me why, you're asking me why. I did it 'cause I was bored. I did it 'cause I was bored. I did it 'cause I was bored.